Salut tout le monde, c'est SamuTG73 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va pas être ça va pas être une vidéo sur l'ordinateur comme vous pouvez le croire. En fait, on va juste faire un tirage au sort parce que je vais commencer une carrière manager sur FIFA 15 et je sais pas trop quelle équipe je vais prendre, un peu comme d'habitude. Alors je vais faire un tirage au sort pour savoir laquelle je vais prendre. Alors j'ai mis toutes les équipes de la saison 2015-2016, pas celle de la saison 2014-2015. Donc on va pas retrouver Evian, Lens et Metz. Et j'ai rajouté Gazélec, Ajaccio, Angers et Troyes. Alors si on va tomber sur une de ces trois là, je sais pas si j'irai jouer en Ligue 2. Sincèrement je sais pas. On verra bien. Peut-être que je referai un tirage au sort. Et si on tombe sur Paris, je sais pas non plus si je jouerai sur Paris. Avec Paris, ça va être un peu facile, j'ai envie de dire. Faut vraiment que je mette un gros niveau. Donc on refera peut-être. Donc on va tirer au sort, on va pas s'attarder. Et on va voir ça. Ok, c'est Montpellier. Bah ça me va. Ça va vraiment, Montpellier c'est une bonne équipe. J'aime bien cette équipe. On va retrouver Kevin Barrigo, l'ancien attaquant des Viennois. Donc voilà, il y a au moins un ancien Evianais. Donc Montpellier, bah ça me va, ça me dérange pas du tout de jouer avec Montpellier. Et donc, et ben je vous dis à tout de suite donc pour cette carrière avec Montpellier. A tout de suite sur la PlayStation bien sûr. Donc on se retrouve sur la PlayStation et on va lancer tout ça. Hein. Alors, un petit peu la composition d'équipe, on a Jourdain de Plagne. Et Kautari, Hilton, Tiene, Hilton qui est un peu vieux, je pense qu'on va peut-être acheter un défenseur gauche. Peut-être qu'il y en a un dans les remplaçants, les réservistes. Mais n'empêche qu'il est très bon. Dabo, Sanson, Lan, Paul Lan, Mounier, Aït Fana et Berigo. Vous voyez qu'il n'y a que Berigo en pointe. Et Berigo, bah voilà. Alors, Ah ouais, ok, il n'y a plus international. Ok, donc on va laisser pro si vraiment on gagne trop. On va mettre 5 minutes, on va baisser un petit peu. On mettra champion, mais bon. Rigueur financière, on va faire indulgente. Devise, l'euro. Le stade. Donc je crois que c'est le stade de... Je crois que c'est le stade de la Mousson. Je suis pas sûr, je vais regarder ça d'ailleurs. Je vais regarder ça. En attendant... Équipe utilisée par défaut, on va faire téléchargement plus récente comme on veut faire la saison 2015-2016. Stade de la Mousson, pardon. Ouais, c'est ça, stade de la Mousson. Donc on va l'appeler stade de la Mousson. Ah merde, j'aurais dû regarder les photos un peu du stade pour faire. Alors, on va regarder un petit peu les photos, je suis désolé. Donc pas de piste d'athlétisme, attendez. Tac, je vais mettre la photo en grand, voilà. On va aller voir ça. Ah oui. Non. Il me paraît pas mal, il est bon, on va prendre celui-là. Alors, c'est Adam. On va continuer donc. Allez, ça va vite, je suis désolé si ça a pris un petit peu de temps normalement. C'est bon, j'espère que vous voyez bien, il n'y a pas trop de reflets. Je sais pas trop. De toute façon, on va pas éteindre, on peut tester en éteignant. Oui, parce que c'est nul. Je vais éteindre là déjà. Oh non, là vous voyez rien. Moi non plus. Tac. Oui, je suis désolé. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que au moins à Noël j'aurai un HD PVR. C'est déjà ça. On va mettre monsieur SamuTG. Est-ce qu'on peut mettre des chiffres? Ok. On va se mettre qu'on est quand même français, Nar France. Check.
Chemise cravate, ouais, allez. Bleu foncé, on s'en fout, on avait une grille. Carnation, moi je suis. Moyenne, clair. Physique, ouais, mais mince. Allez, ça m'était 73, devrait arriver à Montpellier. Montpellier, c'est une bonne équipe, enfin, bonne équipe, pas trop en ce moment, elle a des quelques difficultés en championnat, mais c'est une équipe quand même que j'aime bien. Donc j'espère qu'ils vont sursaisir les Montpellierains. J'ai déjà quelques idées en tête des joueurs que je vais recruter. Notamment pour un attaquant, il est vraiment pas cher, il a 3 millions d'euros. Et j'ai cru que Kabela était revenu à Monaco, à Montpellier. Non, mais ça fait déjà un petit peu longtemps quand même. Lucas, mais il est revenu. Enfin, ah non, oui, d'accord. J'ai eu peur. On va créer une nouvelle carrière. On va mettre. On va pas s'emmerder. Donc, Career Manager, j'en ai fait une au début de mes vidéos. C'était avec Newcastle. Et ça a pas trop bien marché. Donc, j'en refais une avec FIFA 15. Moi, j'aime bien la France. Je reste en Ligue 1. Mais si on me donne l'opportunité d'aller en Allemagne ou en Angleterre ou partout, j'y vais. Alors, on va un petit peu regarder tout ce qu'ils nous mettent. Alors, objectif championnat. Ok, donc il faut se qualifier pour la Coupe FA. C'est chaud. Ok. Ça. Je vis au bois, je suis l'un des recruteurs. Je voulais vous présenter, vous informer. Il existe deux types de recrutement par région. Oui, ça je sais, merci. Un défenseur central. Tu vois, rien ce que nous avons, n'hésitez pas. Ok, on s'en fout. Information importante sur le marché transfert. On s'en fout. Objectif Coupe nationale, atteint les 16e de finale. Bon, ils nous prennent un petit coup de bas. Je sais pas si ça se dit, mais. Oh. Alors, on va tout de suite commencer. Pas la peine d'avancer dans le temps. On va chercher des joueurs. Donc, on va déjà chercher ce qu'ils veulent. Donc, c'est-à-dire un défenseur central. Voilà. On va pas le mettre trop vieux. Et j'aimerais bien en chercher. Bon, on s'en fout bien. J'aimerais bien en chercher en Ligue 1. Ils ont des très bons défenseurs, nous, en Ligue 1. Ou en Ligue 2, après, on va voir. Allez, on va rechercher. Alors, nous avons qui? Ils ont Ayman Adenour, mais à mon avis, il est trop cher. Aldo Angoula, qui est une machine, mais un peu trop vieux, malheureusement. Sylvain Armand, qui est à Rennes. Ils sont un peu trop vieux, leurs défenseurs, là. Cédric Cambron à Evian. J'ai pensé à un joueur d'Evian, mais après c'est moi qui vois, hein, c'est pas vous. Comment il s'appelle? Il s'appelle Mongongo. Voilà. Mensa. Voilà, Mongongo. Il a 25 ans, mais Mensa on a que 23. Alors il a de la force, détente, agressivité, précision de la tête. Et lui dans les tirs, il est assez bon. En force, il est bon. Qui a plus d'expérience? Je vais m'informer sur John Mensa. Tac. Et je vais m'informer sur Mongongo. Non, pas lui. Ouais, bon, pire, Mongongo, c'est laisse tomber. Oh, allez, j'ai envie de l'avoir, ce Mongongo. Très bon joueur. Ouais. Parce que les autres ils sont un peu trop chers, mais voilà, comme j'ai joué avec Evian sans ma carrière à moi, vraiment ils étaient vraiment pas mal. Surtout Zenek Mongongo, voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour les attaques et défenseurs centraux. Et on va aller shipper un petit prodige, une petite pépite de Ligue 2. J'ai nommé. J'ai nommé. Donc c'est pas Andy Delors, j'aurais pu, mais vraiment j'ai dans mon équipe cette petite pépite de Ligue 2. J'ai nommé Corentin Jean. 18 ans. 18 ans. Il vaut 3 millions d'euros, même qu'on pourrait peut-être pour l'avoir moins. C'est une pépite ce mec. Il est tout simplement extraordinaire. Il est très très fort. Allez, voilà, donc on a déjà trois, ils nous ont déjà répondu.
Alors, pour votre intérêt pour John Hammond, ça, 550 000, c'est pas du tout cher. 2 millions 100 000 et 4 millions 200 000. Ok, j'ai essayé à 4 millions. Combien on a de fric? Il nous reste 7 millions. Donc, courant tangent, on va. Du coup, s'il a 2 millions, Gongo, on va plutôt privilégier pour John Mensa. Donc on va faire une offre. Je suis même sûr qu'on peut faire... On pourra la mettre à... On peut enlever... Véro. Bon, je suis un petit peu... Peut-être optimiste, mais bon. Et Corentin Jean, on va faire une offre. Donc... Il faudrait vendre un joueur. Allez, 3 900 000, c'est pas assez bon, on peut. Il faudrait vendre des joueurs, donc on va aller vendre des joueurs contrat. C'est quoi? C'est où déjà? Non, c'est dans transfert. Vendre des joueurs, voilà. On va y arriver, voilà, voilà. Vendre des joueurs. Alors, tu vois déjà les gardiens, Ligali, il sert à rien. Bon, combien on a de gardiens? On a Jourdren. On a Pionnier, donc tu vois Ligali. Ligali, je le vends pas, je peux mettre sur la liste de prêts. Voilà. Hop. Voilà, il est sur la liste de prêts. Hilton, on le garde. Congrès, on l'anne. Ponlan, on le garde. Saï, on le garde. Dabo, ok. Martin, Marvin Martin. Jonas Martin, un très très bon joueur lui. Lui, c'est un navire. Lucas Barrios, bien sûr qu'on le garde. Marvo, Seraph, tu vois. Genre les joueurs qu'on peut vendre ça. Ouais, il a récemment rejoint le club, donc on va le prêter. On va essayer ça. Tac. Sanson, il a. Je vais le faire prêter aussi. Lui, je le connais pas. Donc on va essayer de le vendre. Ah, il vient récemment. Liste de prêt. Pionnier, Bertrand, lui. Genre, on pourrait le vendre. Putain, mais ils ont tous récemment rejoint le club ou quoi? Cornette, ouais, ça tu peux rien faire quand tu vends ces joueurs. Mounier, comment ils s'écrivent? Mais ils ont tous récemment rejoint le club ou quoi? Mais ils sont fous les gens. D'où ils ont reçu? Ah voilà, lui par contre tu peux dégager. Transfert, voilà, on va s'arrêter là. On va attendre la réponse pour... C'est déjà 12 minutes que je filme, mais c'est... On voit pas le temps passer. De toute façon, aujourd'hui, on va se concentrer sur les transferts. On va faire peut-être un ou deux matchs. Sachant que les matchs de prépa, je les joue pas. Ok, super. Les deux transferts ont été acceptés. On a shippé. Donc lui, on va... Non, je vais le laisser comme ça. Ne pas préciser. Par contre, Corentin Jean, je vais le préciser. Tellement de pépites ce mec. Ah, lui je pourrais mettre 3 000. On va lui augmenter son salaire. Si 2000 euros de salaire, mais pour ce qu'il fait. Mais il est tellement fort ce mec. Je le mets en titulaire indiscutable. De toute façon on va changer la formation. C'est pas possible de mettre 2000 euros de salaire. Bon, s'il veut 2000 euros, il aura 2000 euros. Continuez. Allez, quand ils seront recrutés, comme ça on fera une nouvelle composition. Moi je joue généralement 4-4-2. Ah. Refusé pour John Mensa. J'ai besoin de savoir le point. Ok, John Mensa, sachant qu'on n'a pas, on va te mettre titulaire important. Bon, s'il n'est pas content, on lui mettra titulaire indiscutable. Ça devrait passer normalement, titulaire important. Il sera mieux payé qu'à Evian. Il jouera plus poste de sélectionneur. Alors là, non, merci. À part si c'est genre l'Allemagne, mais je pense plutôt que ça doit être la Roumanie, Nouvelle-Zélande. Tu sais, les trucs inconnus, tu sais. Ok, il a accepté, donc poste de sélectionneur. Ouais, il me propose... Ok. Hop. Espèce d'ananas du Cantal, tu as supprimé ton message okay, pour accepter Corentin Jean. Ah oui, j'ai peur. J'ai supprimé le message où il me demandait d'accepter Corentin Jean. Mais je suis con. Bon, heureusement, ils sont là. Heureusement, ils ne m'ont pas supprimé. Oh là là, j'ai eu peur. Oh là là là. Allez, donc on va tout de suite s'intéresser à notre équipe. Donc tu vois déjà le...
voyez déjà le petit dispositif que j'aime pas. Et nous allons faire un 4-4-2. Losange est tiré. Ouais. 4-3-3, c'est quoi ça? Ah non, pas 4-3-3. 4-4-2 à plat aussi. Hein. Non, non, pas 4-4-2 à plat. Voilà, on va prendre celui-là. Et donc, s'en prend celui-là. Berrigo, tu auras ta place. T'inquiète pas. C'est Jonas Martin, il est fort. Il peut jouer en quoi, lui? Non, c'est écrit. Il peut jouer en MC, MOC. Ok, il est super ici. Lui peut jouer en quoi, lui, Berrigo? BU attaquant, c'est pas grave, il jouera ici. De toute façon, Berrigo, tu vas aller sur le banc. Tu vas pas commencer à faire chier. Et notre petite pépite ici. DC. El Kautari. Il peut jouer quoi, Mensa? Il joue tous les deux DC. Je vais essayer de le plan, il n'est pas spécialement très, très bon. Je vais essayer Mensa. De toute façon, je vais mettre El Kautari sur le banc. À la place de Woutrich, là, par exemple. Non, pas de lui. Je sais pas ce qu'il fait. Jourdren, pourquoi il va pas dans les buts, Jourdren? C'est qui les gagne? Hop, Mounier. Ah oui, on a Mounier aussi. Oula. Ah oui, j'avais pas vu. Ok, on va faire comme ça. Si on fait un 4-3-3, non. N'inquiétez pas, vous aurez votre place. Lucas Barrios, par exemple, tu vas remplacer... Camara, non, Dakar. Mounier, Aitfana, ah, ils ont des bons joueurs. Et Berrigo, tu vas... Place de Camara. Ils ont des très 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 bons joueurs, ces Montpellier. Enfin, les, voilà. Le centre de formation de Montpellier a des très très bons joueurs. Je sais pas le fond de formation. Alors, proposition 3. Ligali. Alors, Ligali, s'il me dit un bon truc, il vaut 575 000. Ah oui, je voulais le prêter. Ouais, bah ok, je le prête. Pas de soucis. Il est malheureux, donc pars vite d'ici, c'était malheureux. Reste pas ici, va dans le Nord. Manger les frites. Par contre, les musiques de FIFA, c'est les musiques qui te rentrent dans ta tête. Lucas Barrios. Oulala. Oh, vous avez fumé, vous, hein. Il me vole à 2900. Ah, moi, je le lâche pas à 4 millions. Tac. Il vaut 3 600 000, il me propose 2 900 000. Ils ont pas un peu forcé sur le cannabis, là? Un petit peu, je pense. Là, ils vont te dire que non, tu peux pas. Voilà, bon, bah, si t'es pas content. Et ah, là, il me propose le vrai prix. Allez, 800. C'est 200 000 de plus, c'est rien du tout. 200 000 de plus, ça c'est rien. Même à monnaie drop, tu peux gagner plus. Malheureusement, on va tourner contre Liverpool, mais j'ai dit que je faisais pas les matchs. Non, c'est mort. Non, moi je te le propose à trop. 200 000 dans votre... Vous les avez tranquillement, les 200 000. Hein? Donc je le lâche pas, je le lâche pas. Déjà je suis gentil, j'aurais pu vous le faire à 4 millions. Mais je vous le lâche pas, vous, lui. Ouais, il veut faire jouer avec Lucas Barrio, je sais très bien qu'ils le font jamais jouer en plus. Ouais, il vaut pas autant, allez, sérieux? Ouais, il vaut pas autant, si tu veux. Ouais, bien sûr, il vaut pas autant, il te plante des buts. Allez, il faudrait sauver le gagner, ce petit match contre Liverpool, on a... Ok, on a... Excusez-moi pour la coupure. Alors, continue. Ah, il parle d'Evian. Parfait, il faut regarder ça. Evian, ni trop bas, ni trop haut. 17ème. Ouais, ok, c'est juste dernier le oula. Il se fixe juste derrière les gars. On s'en fiche, on n'est pas Evian. Allez, on va jouer contre... Je connais pas cette équipe à laquelle on va jouer. Voilà, pareil, photo.
Je suis désolé. Contre CCNA. On peut jouer à l'extérieur, mais on peut gagner. Il faudrait pas qu'on ait deux blessés. Il faudrait. On a perdu 2-1. Et on a eu deux pleins de blessés. Bon, deux pleins, c'était le moins bon. Et putain, on enchaîne les matchs, quoi. On peut pas même jouer forfaitement. Genre forfaitement. Oh là là, mon français, il est tellement trop bon. Ouais, de pleine, il est même plus blessé, il était blessé pendant une journée. Eh, on gagne pas, les gars. Ça va pas le faire si on gagne pas. Bon, heureusement que c'est que les matchs de prépa. La coupe FA pour ambition. Jorclé Hilton. Non, Jorclé, c'est Corentin Jean. Et on va débuter notre premier match de championnat. Si mes souvenirs sont bons. Je sais plus contre qui c'était. Rennes. Bordeaux, voilà. Alors. 3 jours, on va pas chier. Ok, salut. Oh là là, toutes que des coupures, désolé. Voilà, allez. Proposition de transfert, Geoffrey Jourdain. On n'a pas spécialement de gardien à part Pionnier. Vraiment, ça dépend du prix qu'il nous propose. Il nous propose quand même 2 millions de plus. Hein. Et Geoffrey Jourdain, pour cette saison, je vais le garder. Donc je vais rejeter toutes les offres. Je fais pas beaucoup ça, mais vraiment, j'ai pas de gardien cette année, donc je vais le garder. Pompelier, toute une question de régularité, exactement. Oui, mais Corentin Jean, le prochain match, j'ai même pas besoin de demander, Corentin. Même pas besoin de demander, Corentin Jean. Tu joues. Je t'ai mis titulaire indiscutable, c'est pas pour rien. Alors là, il a pas se soucier, Corentin Jean. Donc, ça rien de dire, ouais, t'as des favoris, et tu fais pas jouer tout le monde. Oui, bah, écoutez, regardez le match de Corentin Jean. Et vous verrez. S'il cadre aucune de ses actions, là, je lui dirais non, Corentin, non, tu. C'est pas bien ce que t'as fait. Alors, pour la compo. Donc Mensa, on va laisser l'équipe type, j'ai envie de dire ça, c'est l'équipe type. Bon, même si on a Barrios sur le banc, mais on a vu Mounier et Jean ne joueront pas tout le match. Ils vont être fatigués, ils vont courir. Donc à mon avis, ils joueront pas le match. Pas tout le match, pardon. Ah, mais ça, je le fais 500 fois, mais à chaque fois, il me refuse pas, donc. Hop. Allez. On va passer ça, je pense que on s'en fiche. Petit réglage des paramètres. J'avais modifié une fois des paramètres de ma manette. J'ai... Voilà, on va être classique, voilà. Oui, j'avais changé, bon, bref, je pense que c'est pas très intéressant tout ça. Allez, bonjour à tous, Hervé, bonjour toi, je te salue. Il y a des points à prendre, exactement. Et on va commencer. J'ai mis en pro, hein, vous êtes témoin, voilà. Allez, Dabo. Il faut vite les commencer ce match. Enfin, pas vite, mais le commencer correctement. Dabo. Dommage. Allez, Paul Lann. Il récupère Paul Lann. La première sortie de frappe, Paul Lann. Elle était cadrée, mais... Mais c'est Eric Carrosso qui se charge de prendre cette balle. Dommage. Allez, il faut pas subir le contre. Non, ça va. Martin. Mounier, qui va faire partir Corentin Jean. Corentin Jean, les cocos. Hey, Corentin Jean. Oh là là, je suis trop perso. Mamadou Dabo. Mounier. Corentin Jean, il l'a vu. Corentin Jean, c'est pour Saï. Saï, oulala. C'était une belle frappe. C'est dommage, il y avait une belle... Passe de Corentin Jean, mais ça y est, tiré sur le gardien, dommage. Allez, corner, je suis pas mal. C'est vrai que Carrasso qui va se dégager. Oulala, qu'est-ce que je fais avec mon gardien, moi? Un peu n'importe quoi. Il y a une faute. D'accord, il y a une faute.
tranquille au-dessus. Moi j'aime mieux contre le gardien au coup franc, j'ai pas très confiance à l'ordi. Ça y est. Allez en bas, voilà, je t'ai vu, Deux planes. Ça va passer son ballon, deux planes. Pour Corentin Jean. Il y a une petite faute. Il y a l'avantage qui est laissé. Pour Mounier. La frappe, oh là 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 là, la frappe complètement loupée de Anthony Mounier. C'est dommage. Carassou qui va se dégager. J'arrive jamais à dire son nom. Dabo. Pour Mounier. Attention, Corentin Jean qui est hors jeu. Il va se repositionner correctement. Corentin Jean. La frappe. Oh, c'était l'une des plus belles occasions du match. Elle est signée Corentin Jean. C'est pas fini. Marvin Martin. Non, Jonas Martin, pardon. La frappe des contrées. C'est pas fini. Si. Il faut pas que je dise Marvin Martin. C'est Jonas Martin. Corentin Jean, il va s'arracher. Malheureusement, il va pas la récupérer. Allez, oh oui, une belle passe, et le premier but est signé Anthony Mounier sur une petite confusion de la défense bordelaise. Même moi j'ai été un petit peu surpris que cette balle me revienne dans les pieds. Il y a un petit peu de chance, les défenseurs bougent pas trop. Et après, un petit tir en finesse. Et ça fait but. On a donc 1-0 au score pour les Montpelliérains sur leur pelouse au stade de la Mosson face au Girondin de Bordeaux. Maintenant il faut tenir, il faut essayer de planter ce deuxième but et peut-être jouer plus calmement. Donc Dabo, ah, il est tout seul en bas. Marvin Martin, oh là là, Jonas Martin, la frappe à côté. Ah, il y a Corentin Jean qui s'était pas, il aurait, moi j'aurais pas pu le remettre, j'étais trop loin pour que je le remette. C'est dommage, on aurait pu faire une belle occasion. Ouais, une petite faute. Et c'est la mi-temps sur ce score. Et c'est même ça qui récupère. C'est la mi-temps sur ce score de 1-0 pour les Montpelliérains. On s'était créé le plus grand nombre d'occasions, donc j'ai envie de dire c'est mérité. Il y a eu un petit arrêt de Jourdraine, si on peut appeler ça un arrêt. La faute d'Hilton, le tir raté de Wabi Kazri. Et enfin, non, le tir de Mounier, c'est vrai qu'il est passé un petit peu plus loin. L'arrêt de Carasso, oui, ça c'était sur la frappe de Corentin Jean. Et enfin, le but de Anthony Mounier. Pour la possession, il n'y a peut-être pas regardé, mais je pense que on est au-dessus, nettement. Voilà, on a 59% de possession contre 41 pour les Bordeaux. C'est la reprise de cette deuxième mi-temps. J'espère faire encore mieux que la première, donc marquer peut-être un autre but. Et on va essayer une faute, il y a un avantage qui a été laissé. Allez, Mounier qui a pris le premier but, dommage. On a peu vu Corentin Jean. J'attendais plus de sa part, mais c'est son premier match à domicile. Avec moi, la belle claquette de Geoffrey Jourdraine. Excellent Geoffrey Jourdraine. Depuis le début du match, faudra pas se déconcentrer, l'on est. On se fait peur. Allez, c'est bien joué ça. Oh, il n'y a pas de faute. Non. Et on pourrait faire une contre-attaque. Ouh là, j'ai peur. Ouais, tranquille, Geoffrey Jourdraine. Oh, il l'a vu. Anthony Mounier. Ah, je voulais passer à droite. Ouh là, ça se fait peur. Pourquoi je sors mon gardien? Il est baissé du côté. Ouh là, faut peut-être pas le sortir. Oh là là. J'ai pas fait exprès de faire la tête, mais heureusement que je l'ai faite. Hein. Il aurait pu avoir. Ouh là, attention. Ouh, j'arrête pas de dire. Ouh là là. Allez, très belle passe. Allez, pour Anthony Mounier, il n'y a pas d'hors-jeu. Anthony Mounier. Mounier. Il va rentrer en 1 contre 1. Oh là là, il n'y a pas eu. Je me suis arrêté. Chantôme. Ouh là, Wabi Kazri. Diabaté, chèque. Diabaté. Où ça passe?
Ça passe juste à côté. Cette frappe, on se fait peur et il reste un quart d'heure. Mais même pas. Enfin, c'est un quart d'heure quand même. Et on se fait peur. Berigo, allez, rentre en jeu. Oh, la grosse faute. Oh, la grosse faute, ça vaut carton jaune, ça. Voilà, ça vaut carton jaune. Parce que ça... J'avais fait un petit crochet, j'avais réussi mon crochet. Sur Sané. Est-ce qu'on le tente? Il y a 62 précisions coup franc. Mounier, je crois qu'il est beaucoup mieux. Voilà, on va prendre Mounier. 3 barres, on sait jamais. Trop. À côté, sans aucun danger, on a gâché une occasion de but. Mais moi, le coup franc, je le tente. Oh oui, c'est bien joué pour Paul Lannes. Paul Lannes, il n'y a pas de faute. Paul Lannes. Oh, il était bousculé, Paul Lannes, au moment de son tir. C'était limite le pénalty. Mais l'arbitre a décidé de laisser jouer. Peut-être que j'ai mis trop de temps. Attention. Pour Clément Chantôme. Clément Chantôme. Oh là 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 là. Heureusement que j'ai sorti mon gardien. Heureusement que j'ai sorti mon gardien. Ça l'a gêné. Perd le ballon. Récupère justement. On va se dégager. Et c'est la fin du match. Sur une victoire de Montpellier. 1-0 grâce à un but de Anthony Mounier. C'était pas forcément un très très beau match, mais la victoire est là. Pour les autres résultats, Monaco gagne 3-1, Lorient, Guingamp, Ace. Saint-Etienne 3-2 pour Saint-Etienne, et Vian fait match nul contre Caen 2, 2 buts partout. Nantes gagne contre Lens 2-1, le LOSC 3-1 contre Metz, Nice perd 3-0, Jésus contre Toulouse, Lyon contre Rennes, je crois. C'était 3-2 pour Lyon. Des débuts prometteurs pour Lannes. C'est vrai que Lannes a bien joué. Proposition de transfert pour Jenny Seraf. Alors là, je vais accepter. Il n'y a pas de souci. On a prêté. J'ai même pas retenu son nom. Jiaf, un truc comme ça. Et on va jouer contre l'Olympique de Marseille. Je vous propose de faire ce match. Et ensuite, on arrêtera. On s'arrêtera là. Allez, on va jouer ce match face à l'Olympique de Marseille. On va essayer d'aller chercher la victoire à Marseille. Bon, ça va être dur, mais on peut y arriver. On va mettre l'équipe type. Quentin Jean, Saïd Plagne et Hilton sont en mauvaise forme. Ils ont la flèche vers le bas, mais bon. C'est pas grave. Ça aussi, c'est le truc que j'ai réussi 500 fois, mais je suis toujours pas passé au niveau suivant. C'est ça. Appuyez sur tout ça pour jouer pitch. Allez, c'est parti pour ce match. On engage. Qui oppose le match à Marseille face au Montpellier Héros. Ah, il y a une faute. Ok, j'ai continué à jouer, mais non. Allez, oulala, petit pont de la réussite, si ça commence comme ça, c'est pas la peine. Corentin Jean, tu fais l'élimination. Corentin Jean face à Stimon Mandanda. Corentin Jean, ça passe juste à côté des buts. Oh, il est rapide ce joueur, il s'est bien battu. Face à une coulou, peut-être, je garantis rien. Et elle est touchée. Elle est touchée, cette balle. Oh, oui, là, j'en voyais dedans. Cette tête de Mohamed Dabo. Je crois que c'était lui. Je la voyais dedans, mais... Ben non, elle est pas dedans, du coup. En tout cas, on démarre fort. C'est comme ça qu'il faut démarrer. C'est les meilleures entames de match. Celle-là, faut pas les louper. C'est récupéré par Corentin Jean. Passé rapide, Corentin Jean. Mais il est encerclé par 3 Marseillais. Il récupère ce ballon, Corentin Jean. Il est exceptionnel, Corentin Jean. Il a glissé à Jean Spartan, le poteau, pas de réussite. C'était sur un très très beau travail de Corentin Jean. Malheureusement, pas assez de réussite pour les Marseillais. Pour les Montpelliérains. Allez, pour l'instant, on domine fortement ce match. Corentin Jean peut être récompensé. La frappe de Corentin Jean. Elle saute. Voilà. Trop petit, Corentin Jean.
Oh là 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 là, en 20 minutes on a eu trop d'occasions pour les louper. On a eu trop d'occasions. Ce serait bête de le sortir quand même à la mi-temps. Allez, c'est bien joué. C'est bien joué à petite erreur. Oh là 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 là. C'est Mounier qui rate à son tour. Oh, il était tout seul. Il était tout seul. Il est gaucher, malheureusement, Mounier. Il aurait dû faire un plat du pied. Allez, il reste le corner, il reste le corner, Mounier. Oh là 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 là. Oh, ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Ça veut pas rentrer, ils ont mis un mur invisible. Ça veut pas rentrer, il y a déjà deux murs, il y a le mur invisible, en plus il y a Mandanda, alors... Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Allez. Tir enveloppé! Oh là là là, c'était Mounier qui avait fait un tir enveloppé. C'est dommage, c'est dommage. Allez, point de lane. Allez, allez, oui, la frappe, Anthony Mounier, le buteur montpelliérain, qui vient nous sauver après tant d'efforts, c'est mérité, hop, et hop, c'est mérité, hop et hop, c'est très précis, mais c'est tellement mérité, ce but. Oh là 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 là, allez, d'abord.